aujourd'hui, nous sommes particulièrement fiers de vous recevoir. Il faut dire que notre association est vraiment très très jeune. Elle a à peine quelques semaines. Aujourd'hui est la première sortie, notre premier événement, notre première manifestation. Et bien sûr, il fallait chercher une idée originale, une idée à la hauteur de nos aspirations. Et donc, bien sûr, comme le 24 février était devant nous, et comme il y a un Tangérois qui est vraiment très très célèbre, le plus célèbre du monde, un Tangérois qu'on qualifie d'historien, de géographe, de globe-trotter, de beaucoup d'appellations, de pèlerin et d'ambassadeur. Un Tangérois vraiment très très connu, vous l'avez tous deviné, c'est Ibn Battuta. Et bien sûr, dans ce contexte, on voudrait rendre hommage aussi à notre cher ami et notre maître, notre fille Akhari, qui est parmi nous. Je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Un petit peu ce que c'est que l'association des Tangérois du monde. Parmi nous, un grand journaliste, M. Omar Salim, qui a bien accepté d'être parmi nous pour présenter un petit peu, pour nous lire un petit peu quelques passages du livre Le Prince des Voyageurs, qui a été écrit par l'autre fait à Paris. La Montsouri attendit quelques minutes avant de toquer. Un homme vint lui ouvrir. Il toisa le petit caddie avec une moue méprisante qui ne fit pas effort de dissimuler. « Qu'est-ce que tu veux, toi » proféra-t-il rudement, sur le ton agacé de quelqu'un qu'on dérange. Je voudrais passer à professeur M. Mohamed Ibn Al-Wazani, que j'invite, s'il vous plaît, à passer à la scène. Alors, Mohamed Cherif Niana, c'est un enseignant, c'est un chercheur, c'est un écrivain. Et la question que j'ai posée moi-même il y a 3 ou 4 jours, parce qu'on me l'a posée, comment se fait-il qu'aucun membre de ses descendants, aucun de ses descendants n'a rien fait pour qu'Ibn Battuta soit célébré d'une autre manière, qu'il puisse participer à la construction d'un mausolée autre que celui que nous avons, et ainsi de suite. Alors là, je vais enchaîner avec nos amis de l'association Ibn Battuta. Donc, normalement, monsieur le président Aziz Ben Ammi devait nous faire un petit mot, mais pour des raisons personnelles, il s'est excusé. Et c'est son secrétaire général qui va le remplacer pour nous parler un petit peu de cette association. Tout d'abord, je vous remercie pour nous avoir, nous, association marocaine Ibn Battuta, de nous associer à ce travail. Alors là, je voudrais appeler quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'est très cher, et sur lequel on va miser énormément sur le futur, c'est Sibiriya Chaim. Encuentro, quand on parle de Encuentro, c'est un grand événement. Donc, au nom de toute l'équipe, au nom de tout le bureau, on va remercier premièrement Madame Leïla Mimoun. Est-ce qu'elle est là, Madame Mimoun? Oui, elle est là. Je remercie Monsieur Rachid Souli, qui est déjà parti et qui nous a fait accompagner avec de la musique très douce et qui nous a expliqué qu'il s'ouvre sur d'autres cultures. Nous remercions Professeur Liblaki Wazani avec tous les éclaircissements qu'il nous a donnés. Nous remercions Monsieur Melini Mohamed, qui malheureusement est absent, mais qu'on adore et qu'on estime beaucoup. Nous remercions M. Ahmed Messali qui nous a offert vraiment de façon très généreuse le portrait pour M. Lotfi Akhlaï. Nous remercions M. Jamal Wassini. Alors Jamal Wassini, je ne l'ai pas présenté, et qu'il m'excuse, il n'est pas là, mais qu'il m'excuse. C'est le monsieur qui nous a offert sa musique qui a servi pour la vidéo. Donc c'est un violoniste de renom qui bientôt va nous visiter et certainement on organisera un événement en collaboration avec lui. Nous remercions Omar Salim, notre journaliste, notre radioman, on va dire. Nous remercions M. Aziz Ben Ami de l'association Ibn Battuta. Nous remercions Shahin Ben Ayed, sur lequel nous comptons beaucoup dans l'avenir. Nous remercions Hanan Oulizi et son équipe, notre photographe, notre video woman, on va dire.
Et là particulièrement, et les membres de l'association le savent très bien, nous remercions particulièrement Madame Mouna Nabil, membre de l'équipe, qui nous a vraiment aidés d'une façon incroyable.